Et l'esprit de Mozart planait au-dessus des rouages et balancier en rigolant comme un petit enfant espiègle. Et en s'approchant trop près, l'esprit de Mozart fut happé par les petites dents voraces des rouages. Et l'esprit de Mozart s'incarna dans le mécanisme. Et le mécanisme commença à penser. Tous les rouages, ressorts et balanciers se mirent à penser, à parler dans une cacophonie comique et métronomique. Ils cherchaient tous en vain le mécanisme de cette pensée, alors que la pensée, c'était le mécanisme. Le rouage demanda au balancier « Crois-tu que tout cela sert à quelque chose ?» Après quelques hochements de tête, le balancier répondit en sage qu'il était « Cela ne sert strictement à rien. Le temps n'existe pas. Seul le mouvement existe. Mais c'est beau à regarder. » Et il continua à se balancer pour se convaincre qu'il existait.